Salut tout le monde, c'est Clone Cannibal, le Easy Gate Team. On se retrouve sur Splinter Cell Blacklist pour un multi. Donc c'est parti. Ce sera sur la map Cartel. Donc 5 contre 5. Et là je choisis le profil Super Soldier. Donc profil de que j'ai créé pour un mercenaire en fait. Et c'est un peu un mastodonte. Parce que je voulais qu'il soit protégé un maximum. Alors du coup c'est genre ouais mastodonte comme MW3. Là il y en a un là-bas qui passe à côté. Hop, j'ai arrêté, c'est pas grave, le petit va le tuer. Donc là on voit il y a eu un petit point rouge au milieu en bas là. En fait il y a un détecteur pour savoir la position d'un ennemi. Donc là je pose une balise de localisation aussi pour déterminer, enfin pour détecter les espions en fait. Tous les espions qui vont passer proche de cette balise, ils vont être détectés. Tiens, bah là il y en a un autre, hop, t'es sauvé. Non, t'es mort, dommage. Je suis arrivé un peu tard. Merde, raté. Donc du coup là on voit le point rouge, en fait ça m'indique pas la position exacte, ça me dit la direction. Et on voit en fait ça détecte à 20 mètres de distance. Donc tous ceux qui sont à 20 mètres de distance, en fait je peux les localiser. À part si s'ils ont des atouts spéciaux. Parce que du coup on peut avoir des atouts. Il y en a qui peuvent se rendre invisibles. Il y en a qui ont des grenades IEM. Enfin des choses pour pas se faire détecter. Donc là il y en a, j'en ai vu un à gauche. Donc voilà, là je l'ai détecté. Donc là on voit il est invisible, j'ai eu du mal à le voir. Donc dans le doute je balance une grenade VX, de gaz VX, mais apparemment ça donne rien. Donc là il est à droite. Bon on joue, c'est le jeu du cache-cache, hein. Du jeu du chat et de la souris en fait, faut chercher. On cherche et bon bah on trouve pas toujours, hein, la preuve. C'est comme les chercheurs, hein, ils cherchent beaucoup mais ils trouvent pas en général. Ça met du temps à trouver. Donc là c'est bien, je tire sur les poteaux et sur les alliés quoi. Je suis stressé comme gars. Donc là, hop, ils ont hacké le. Ah oui, alors du coup j'ai pas expliqué le principe du jeu. Je sais plus si dans l'autre vidéo je l'avais fait ou pas. En fait il y a trois PC. Et donc en fait nous les mercenaires on doit protéger. Tiens, il y en avait un je crois. On doit protéger les PC. Et les. Là par exemple qui était invisible. Voilà, donc j'ai réussi à. Ah voilà, il m'a eu par derrière lui. Bon ça va, je fais du 1-2-1. Donc bon, ça va. Au début, c'est pas trop mal. Donc oui, donc je disais, il y a 3 PC comme là, celui qu'on voit là. En fait, les mercenaires, on doit les protéger. Et les espions, là, il y en avait un invisible. Je l'ai vu vite. Hop, là, je les balise. Et donc, du coup, les espions, comme on s'en doute, ils doivent hacker les PC. Et dès qu'en fait, il y a un PC de hacker, comme par exemple, là, le B. En fait, on doit se débrouiller pour tuer le pirate. Et quand on tue le pirate, en fait, ça annule le piratage. Putain, je savais qu'il était derrière. Putain, je me suis retourné trop tard. Bon, du coup, ça me fait du 1-2-2. Ok. Donc, 1 parce que j'ai défendu. 2 parce que j'ai tué 2 espions. Et 2 parce qu'on m'a tué 2 fois. Voilà. Bah, il me tire pas dessus, je suis avec toi. En plus, tu tires dans le plancher. Franchement. Oh là là. Donc oui, donc dès qu'on tue le pirate, en fait, il y a 20 secondes, je crois, de temps de réinitialisation. Comme ça, si au bout de 20 secondes, il n'y a pas un autre pirate qui reprend le piratage, et ben du coup, ça repart à zéro. Par contre, s'il y a un espion qui reprend le piratage, bon bah là, du coup, ça repart là où on était rendu. Le précédent pirate en fait. Ah, ça va. Voilà. Tire dans la tête.
Donc là, à chaque fois, je mets une balise là, mais ça sert à rien, il faudrait que je la mette dans la maison. Je suis un peu con-con. Enfin bref. Passons. Donc là, je sais pas si... Non, il l'a pas eu. Donc là, je sais... Le gaz vide, ça m'a rien donné, je pense. Ça m'a... Ça peut... Ah, ça m'a pas donné de points. Tiens. Il y en a un en haut. Ouais, il y en a un à l'étage là-haut. Il était déjà mort, mais bon, c'est pas grave. Ah là, que de balles usées pour rien. Suspense, suspense. Où sont-ils? Je parie qu'ils sont... Ah. Donc là, le bip bip qu'on entend, c'est ma... C'est ma balise de marquage, en fait. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon... C'était obligé qu'ils aillent en A. Donc voilà, donc là ils ont tué le pirate, donc on va réinitialiser dans 15 secondes, 13. Bon, voilà. Donc du coup, s'il n'y a pas un autre pirate qui hack le PC, hop là, qui hack le PC dans les 20 secondes, et ben en fait, ça arrête le piratage et il faudra recommencer à zéro pour la patte. Donc voilà, on retourne de l'autre côté. On visite la map, quoi. On fait des allers-retours. Ça fait un peu. Tiens, il y en a un. Ah! L'autre a essayé de mettre ton. Alors l'autre il tire dans le vide. Il a essayé de se cacher dans les fumigènes. Ça aussi, c'est une arme secondaire qu'on peut. Enfin. Donc, par contre, le gaz VX, c'est aussi. Faut l'acheter, on l'a pas à la base en fait. Donc là il y en a un là pas loin, ça pète de partout, c'est le Kosovo quoi. Tu crois... Putain je spray, tu croyais m'avoir petit gars. Mais tu te crois où là? Tu parles aux super soldats quoi. Alors voilà, donc là ils peuvent se mettre... En fait, ils peuvent escalader des murs et passer par la fenêtre. Donc, du coup, c'est pour ça que je surveille la fenêtre. Non, lui, il est resté dans la ruelle. Ah, puis je le dé... En fait, le détecteur, il marche que quand les ennemis sont en mouvement. S'ils bougent pas, je peux pas les détecter, en fait. Donc là, par exemple, il est... Là, voilà. Là, il... Apparemment, voilà, il y en a un autre en haut. Pas s'il l'a eu ou quoi. Ouais, donc du coup je peux détecter les ennemis, par exemple ceux qui sont invisibles et tout ça, c'est chaud à détecter. Donc, des fois ils... en fait eux c'est les prédateurs, donc ils prennent par surprise les petits pédés. Enfin pardon, j'ai rien contre les homos, mais c'est ce qu'on dit quoi, quand on te prend par derrière c'est que t'es un pédé quoi. Voilà, ça c'est dit. Donc là ma balise est toujours là, on entend bip bip bip. Donc j'ai plus de... Comme on peut le voir, hein, je me retrouve avec mon petit flingue. Donc je suis en chien un peu, je pense. Mais bon, c'est pas grave. J'ai plus de munitions, j'ai plus de grenades, gaz VX. Enfin, c'est la gauche. Là par exemple, il s'est rendu invisible. Donc chaud chaud pour le voir. Voilà. Et du coup, voilà, on le voit sur la... Donc, je fais du... Ouais, bon. Ça va. 1, 7, 3, ça va. Ça va. Je vais prendre 3 à me plaindre. Je fais un ratio positif. Hop, une balise qui servira à rien, je pense. Donc là, ils en ont tué un. Allez, on repart de l'autre côté. Youhou. Donc du coup, en fait, moi, mon perso, j'ai essayé de l'optimiser pour qu'il court plus vite. Parce que normalement, ma soulante, c'est lourd. Donc ça met du temps à... Ouais, dans le doute, une petite grenade. Hein, en tout cas faire. Tiens, tiens, salut toi. Donc là, par exemple, voilà, ça, il m'a mis une grenade aveuglante. Enfin, une grenade flash. Donc... Oh, c'est cool, copain.
Donc oui, je disais. Donc les grenades à volante aussi, il faut les acheter. Donc au fur et à mesure des missions, en fait, on gagne de l'argent et puis ça permet de tirer encore sur les alliés. Ouais. Bah lui, il est fou, hein, il est pas juste devant, mais il va se charger. Tiens, on doutait qu'il y en ait. Y avoir un autre par derrière. Donc je sais plus ce que je disais. Voilà, c'est ça de dire plein de trucs. Donc je fais 1, 10, 3, donc une défense, 10 meurtres et 3 décès. Bon, ça va. Ça va, ça reste correct. Je pense que les autres, ouais, ils ont pas un trop gros niveau, c'est pour ça qu'ils galèrent un peu. Donc maintenant, on va prendre mon profil hybride. Donc pareil, un espion que j'ai optimisé. Ah oui, voilà ce que je disais pour le mercenaire. En fait, vu que c'est un mastodonte et que c'est bien lourd, en fait, j'ai fait en sorte qu'il ait des chaussures de vitesse, en fait, pour qu'il aille plus vite. Enfin, j'ai essayé de l'optimiser au max pour qu'il soit rapide et tout. Même si quand on utilise l'adrénaline, ça permet et hop là, ça permet d'aller plus vite. Parce qu'en fait, l'adrénaline, ça permet d'aller plus vite, ça permet de voir, d'avoir une meilleure vision dans le noir. Hop, grimpette. Et ça permet de redonner de la vie aussi. Donc là, je pense qu'il y en a plus. Donc, par contre, mon espion, donc celui-là, c'est mon hybride. Lui, en fait, il a... Voilà, ce qu'on voit là, c'est... il projette... un champ pour détecter les ennemis, donc là on les voit en rouge et donc ça dure pas très longtemps. Dommage, là je le course mais pas assez rapide. Sinon moi j'ai mis grenade IEM aussi, comme ça, ça ils peuvent pas nous détecter. Hop là, moi aussi je me pédé par derrière. Donc voilà, donc quand il y en a un qui hack, il faut le protéger. Parce qu'à partir du moment où il se fait tuer, bah on peut. Ça arrête le hack, en fait, le piratage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 20 secondes pour le remettre en route. Sinon, bah faut recommencer à zéro. Donc là je me suis fait détecter. Donc là ce qu'on entend, c'est un drone, en fait, c'est pour ça que je trace. Et je me suis fait tuer. Voilà, je me jette dans la gueule du loup. Parce qu'en fait, les petits drones, ils servent à enfin, on les fait exploser sur l'ennemi, en fait. Voilà, donc... Oh, bah ça va, une défense... 12-4, 12-4, je suis trop fort, je suis deuxième. Ça, voilà ma réaction quand j'ai joué. Voilà. Ça, il fallait que je le mette. On sent la satisfaction dans ma voix. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas été trop chiant, que mon gameplay a été intéressant à regarder. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, hein, normal. Mettez un commentaire pour dire si vous voulez d'autres vidéos ou pas, ce qui va pas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça a pas été déjà fait, désolé, je bafouille. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !